Allez, bonjour tout le monde, ici c'est Landron pour le 20e épisode de ma saison 2 de mon let's play sur le jeu sport. Allez, on est reparti. Bon, bah je vous avais dit que je jouerais un petit peu dans mon coin histoire de monter le badge voyageur régulier et d'obtenir comment ça s'appelle? Les moteurs interstellaires supérieurs. Bon, bah j'ai monté d'un niveau. Le prochain est à 1500 voyages, je suis à 996. Ça va être encore un peu long, ça va être encore un peu long. On va déjà acheter le prochain moteur, hein. Ce sera déjà ça. Où qu'il est? Il est là. En plus, j'ai suffisamment d'argent. Je pense que ça devrait aller. J'ai gagné pas mal de sous en voyageant. Je pense que ça devrait aller. Donc, il fallait que je terraforme la planète en SPAC avec vous. Et ben, on va s'y atteler. Alors, c'est parti. Non, c'était pas celle-là. Ah si, c'était celle-là. Donc, tu es pas du tout assez dense. Ils sont où? Accumulateur nuage. C'est pas le petit mon kiki. Ah, ça va me bouffer l'énergie, mais ça sera déjà pas mal. Alors, c'est un peu long. Oula, c'est... Ça rétrécit carrément certaines collines. Allez, ça y est, on est dedans. On va pouvoir poser les différents morceaux de l'écosystème. Yep. Et voilà. Et donc là, on pourrait même faire un deuxième niveau. C'est pas ça. C'est où? C'est là. Faut que je le fasse tourner à gauche. Rayon frigorifique. Allez, rentre dans le deuxième niveau. Ça y est. Yep. Yep. Voilà, on pose les créatures. Ah zut, l'espèce est déjà présente. Mais c'était pas ça que je voulais faire descendre. Voilà. Et la carnivore. Ça y est. D'ailleurs, je pourrais pas t'acheter une colonie express. T'es où? On va t'en acheter une, même si ça coûte un peu la peau du cul. Et hop, on va poser une deuxième colonie. Et hop. Bon, allez. Oula, excusez-moi, mon portable sonne. Alors, on va équiper cette colonie. Allez, charge-toi, Sportpedia. Voilà. On reprend les mêmes bâtiments, on change pas une équipe qui gagne. Allez, c'est parti. Donc comment je faisais déjà? Non, là je mettais une usine. Toujours bien. Là je devrais mettre une usine. Ah non, là. Voilà, là c'est mieux. Ok. Y a pas un autre truc là? Bah, il semblerait qu'il pourrait y en avoir un. Ah voilà. On va quand même améliorer un peu le moral. Voilà. Ok, alors la deuxième ville, elle est là. La deuxième ville. On va refaire la même chose. Ça va produire un niveau épisodette, je vous assure que là on va produire énormément. Là du coup, le mieux c'est ça. Et un Arkham là-haut. Voilà. Boum. Ah zut, je sais ce que j'ai oublié de faire. Déjà.
Je vais acheter une réserve à épices. Toujours indispensable. Voilà. Et je vais utiliser l'inspirateur d'espèces. Comme ça, au cas où, si je veux faire une terrafo, je suis paré. Et voilà. Ça y est, elle est lancée, cette planète. Déjà une sur 20. C'est déjà pas mal. Oula, il y avait 25 épices bleues. Je vais peut-être les équiper, enfin les récupérer. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Non, je pense que ça va. J'ai exploré un petit peu par là-bas aussi, tranquille, pépère. Histoire de... Non, par là-bas ou par là-bas? Par là, je crois. Oui, voilà, je suis allé de l'autre côté du bras de la galaxie. Histoire d'être un peu tranquille. Tiens, si on allait voir ce qu'ils disent ceux-là. Possible qu'ils aient une aventure pour moi. Hop, pour en vendre 99, là ça va me faire presque 5 millions. Boum. Là, les 80 aussi, je sais pas trop quoi en faire. Boum. Avec ça, c'est plutôt pas mal. Réparer, ravitailler. Ouais, j'ai refusé la mission parce que c'est pas très intéressant, c'était de chercher l'épée jaune. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est qu'ils veulent quelque chose. Non, pas commerce. D'accord, je vais chercher une créature. Je vais faire quelques missions qu'on n'a pas fait de... On n'a pas vraiment fait énormément de missions, donc du coup... La planète Fro. Bon, ben voilà. Elle est ici. On n'a pas fait énormément de missions, donc... Autant en faire un petit peu. Alors, c'est ça? Oui! Faire pu. Et il faut que je revienne sur le système d'origine... Enfin, de là où on m'a demandé... de récupérer la créature. Voilà, bon. J'ai fait une mission, histoire 2. Oula. Mon monde d'origine me demande quelque chose. Bon bah vite alors. Hein. Vite. Des ovnis hostiles. Bon. D'accord, c'est juste des pirates. Hein. Vous affolez pas les gars. C'est pas ça qui est vraiment embêtant. Boom. En plus, ça peut se défendre suffisamment, ma planète. Par contre, ils produisent que dalle. Hein. Ça, on sent que c'est une planète mère toute pourrie, en fait. Voilà, il est content, on l'a sauvé la planète. De rien, le mec. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire un peu le vide, entre guillemets, sur les systèmes autour, parce que c'est un peu le bordel, il y a trop d'empires. Est-ce que je pourrais pas en virer un ou deux? Des petits. Genre les violets. Ouais, genre les violets. On va s'occuper des violets, allez. De toute façon, je vais pas vous embêter à faire plein d'allers-retours pour augmenter le badge voyageur régulier. De toute façon, c'est ce qu'il faut que je fasse... À partir de maintenant. Boum. J'ai obtenu méga laser. Alors. Je suis en guerre avec les violets maintenant. Alors, quel est cet objet? J'ai trouvé pas mal d'objets aussi, donc pour ça que j'ai augmenté le grade. Pierre de vie numéro 9 qui fait partie des 10 pierres de vie. Ok, donc on peut le voir dans les collections. Non, c'est là. J'ai trouvé quelques petits trucs. Bon, pas énormément. J'ai trouvé quelques petits morceaux.
Nous en concluons que le centre de la galaxie contient des éléments vitaux pour les Grox. Bah ouais. Alors un défi consiste à buter les Grox, mais alors buter les Grox, je vous dis pas la galère que ça doit être. Ça veut juste être pas possible. Ils étaient même pas encore en guerre contre moi. Ouais. Par contre j'ai une DCA de fou, là, laisse tomber les mecs. Hein. J'ai la méga auto-DCA, vous y arriverez jamais. Allez boum. Je détruis l'Empire. J'aimerais aussi débloquer le destructeur de planète. Ça pourrait être vachement sympa. Histoire que je puisse vous montrer comment ça fait d'utiliser le même pouvoir que l'étoile de la mort dans Star Wars. C'est très très cool. Et pour ça, je sais plus ce qu'il faut. Arme. Non, voile, c'est pas ça. Il faut d'ailleurs que j'ai des packs d'énergie aussi, ça peut être intéressant. Conquérant 5 ou colon 5. Je suis à conquérant combien? Donc je suis à colon 4. Il faudrait encore wow, pas mal de bâtiments. Et conquérant. Il est où conquérant? Conquérant. Je suis à conquérant 3. Prenez 20 planètes. Allez quand même. C'est pas pour tout de suite. À la limite colon, je pourrais le faire. Ok, là c'est bon. Ah bah du coup cette planète là est déjà terraformée, autant son... On va conquérir le système hein. Hop. J'ai gagné le badge Empereur 3 en plus. Bouton astéroïde laissé en atmosphère. Et on va pouvoir... Bah, tiens l'indice T est trop bas. Là par contre je crois que c'est un peu le bordel, voilà. Il n'y a plus de place. Ok. Ouais, je pense qu'on va conquérir un peu, histoire de faire et colon et conquérant. Ça pourrait être pas mal. Du coup, j'ai obtenu Fro. Alors par contre, je me demande un truc. Est-ce que... Il est où, conquérant? Conquérant, prenez 20 planètes. Est-ce qu'ils prennent en compte prendre ou détruire? Parce que si je détruis toutes les... toutes les parties de la planète, enfin de... On va essayer. Genre ici. Je crois qu'en plus ils sont pas très sympas avec moi. Ah oui, c'est super canard. Ils me font marrer. Avec la gueule qui se paye en même temps. Alors. On va voir un truc. Je vais détruire. Détruire, voilà. Je vais détruire cette partie-là. Les deux morceaux, hein, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça considère comme prendre? Ouais. Donc si j'ai pas envie de m'encombrer de planètes inutiles comme c'est un peu celle-là, j'ai envie de dire. Parce que l'épice jaune, bof. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus utile. Si j'ai pas envie de m'en encombrer, je peux très bien les détruire. Par contre, je préfère m'occuper de petits empires comme celui-là. C'est moins contraignant. Alors, on va voir. Oh, il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas énormément de cités. Bon, c'est une épice rouge, pourquoi pas. Du coup, le fait qu'il n'y ait pas énormément de cités, ça peut être pas mal, même si elle est un peu loin. Le mieux, c'est détruire les... Voilà. Bon, là, par contre, j'ai démoli la ville. Eh, je vais pas les démolir, forcément. C'est une planète principale, j'essaie de pas trop la démolir. Eh, décidément, je suis pas un doué. Il s'agit de faire ça doucement. Ok, d'accord, je sais, j'y arrive pas. Ah, Conquistador conquérir 15 systèmes solaires. Bon, ok. Bon, j'ai détruit l'Empire... l'Empire Super Canard. Ah,
Alors, je vais aller équiper cette ville. Hop. Ah, s'en charger correctement. Non, c'est pas ça d'abord. Voilà. L'usine. Donc l'usine numéro 2, on la met là. Toujours le même principe, on change pas une équipe qui gagne. Là du coup, non, il y a un problème. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est toi que je veux virer. Et l'usine à mettre à la place. Du coup, là en haut, on peut mettre un complexe. Voilà. Ils sont tout contents. J'ai obtenu le méga laser ou la méga impulsion. Ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Zut, par contre, faut peut-être que je répare et ravitaille. Voilà. Alors, des ovnis sont en train de saccager une de mes planètes. Laquelle? Oh, c'est pas très loin. On va pouvoir y aller. Ah, oh, en plus c'est ma planète à épice violette. Et oh, pas touche à mon épice violette. Allez, on va s'en occuper. Faudrait que je mette une... des tourelles de défense. Viens là. Clairement que je mette des tourelles de défense. Allez. Boum. Toi, viens là. Ça y est, ils sont contents. D'ailleurs, en parlant de tourelle de défense. Ouais, vous en vendez. Bon, ça coûte 3 millions et des patates, mais au moins j'en ai 5, je peux les placer un peu n'importe où. Voilà, ça y est. Une tourelle de défense. Voilà. Avec ça, c'est déjà pas mal. Elle est équipée, elle va faire le tour. Et va protéger tranquillement cette planète. Par contre, est-ce que je peux en poser plusieurs? Ça, c'est la question qui tue. On va attendre que le ravitaillement se fasse. Voilà, c'est bon. Ah bah, il semblerait qu'on puisse pas en poser pas plus d'une par planète. Ok, bon d'accord. Alors, on va retourner à la destruction d'Empire. Il n'y avait pas un petit dans le coin? Là où j'étais. J'étais où? Ils sont grands, ils commencent à être un peu énormes les empires. Attendez, on va faire un cache. Comment on fait? Voilà. Juste mon empire. Bah elle était où? C'était elle? Ah ah, par contre c'est ici. Oula, c'est quoi ça? La paix de notre fédération est menacée par un ennemi inconnu. Oh puis zut, hein, j'ai pas trop envie de m'en occuper. Ah par contre vous avez une aventure. Du coup si vous avez une aventure, ça peut être plutôt pas mal d'en faire une. Ouais, je pense, il reste combien de temps? Il reste moins d'une minute. Bon. On va faire l'aventure dans le prochain épisode, ensuite on détruira l'Empire. Hein. De toute façon, il reste un peu que ça à faire. Je vais... Ouais non, je pense que je vais directement passer l'épisode suivant. Je vais peut-être éviter de faire trop de tours. J'en suis à combien de... 1024 sur 1500? Allez, il reste un peu moins de 500. Il reste un peu moins de 500, c'est déjà pas mal. Bon, bah on va arrêter là. Là dans le prochain épisode, on va faire l'aventure. Et après, on détruira l'Empire en mode grosse salopard. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !